comment caractériser la psychologie, la vie sensible, les sentiments d'un adolescent qui est équilibré? Eh bien, je dirais que la vie psychique, elle s'est préparée dans l'enfance. Elle est le résultat de tout un devenir. Et elle va s'exercer de manière équilibrée lorsque trois sentiments solidement stables seront présents. En fait, parce que le psychisme se développe dans le temps par rapport à un passé, toute une enfance, et aussi par rapport à un futur qui se profile, l'âge adulte, eh bien, on peut dire que les trois sentiments sont en rapport avec cela. Lorsque par rapport à son passé, on a reçu beaucoup d'amour, beaucoup d'autorité comme il le fallait, et un enseignement qui a structuré sa propre intelligence, on peut dire qu'on éprouve par rapport à son passé un sentiment de valorisation. À l'inverse, lorsque ça n'a pas été, pour une raison ou pour une autre que je viens de citer, le sentiment inverse, celui qui est en crise d'adolescence, éprouvera un sentiment de culpabilité. En tout cas, c'est comme cela que l'avait qualifié le psychologue suisse qui s'appelait Piaget. Il a manqué d'amour, ou alors on l'a écrasé par de l'autorité, et il se dit que c'est de sa faute, ça ne va pas. Il se sent coupable alors que, en réalité, c'est un mal-être psychologique par rapport à son passé. Évidemment, tout cela va se référer au futur. Face au futur qu'arrive, eh bien l'adolescent équilibré va se sentir en sécurité. Il affronte la vie avec beaucoup d'espoir. Et à l'inverse, lorsqu'il n'est pas équilibré, ce futur l'angoisse. Qu'est-ce qu'il va passer? Parce qu'il est nul, parce qu'il est, je dirais, mal structuré. Est-ce qu'il va réussir sa vie? L'adolescent équilibré, qui se situe dans ce milieu entre son passé, son enfance et son futur, dans son présent, va éprouver un sentiment d'autonomie. Il est déjà autonome, il prend ses décisions, sa prudence, je dirais, s'exerce de manière équilibrée, il a reçu tous les repères que devaient lui donner ses parents. À l'inverse, lorsqu'il n'y arrive pas, lorsque le futur l'angoisse, que le passé le culpabilise, on peut dire qu'il est dépendant. C'est l'aliénation du terme lien qu'avait utilisé Piaget pour signifier ce mal-être dans le présent. Et donc, on peut conclure que l'adolescence, lorsqu'elle est abordée avec les trois sentiments, valorisation, autonomie, sécurité, eh bien, elle conduit à un âge adulte, elle se passe bien. Lorsque ça va mal, on peut dire que c'est en regardant dans l'enfance que très souvent on trouve ce qui s'est mal passé et caractéristiquement c'est soit un excès d'amour, soit un manque d'amour, soit un excès d'autorité, soit un manque d'autorité. Tout cela évidemment se greffe sur le tempérament individuel de chaque adolescent et évidemment la même éducation peut parfois donner des choses très différentes selon tel enfant.